Salut, salut tout le monde, bienvenue, c'est l'Archangélion. On va continuer dans les tutos qu'on a fait jusqu'à présent. Je vous ai montré façon de jouer, de comprendre qu'une partie se passait aussi bien sur le board, dans un espace, donc la gestion de l'espace et du temps, notamment par le biais des runes. Je vous ai parlé la dernière fois des différentes façons de commencer, débuter à jouer sur Magic the Gathering Arena. On retourne au niveau du codex. On était ici sur les manières de jouer. Je vous avais déconseillé de commencer avec un préconstruit, même si pour des joueurs occasionnels, casuals, ça peut être une bonne option. Pour les joueurs passionnés, enfin qui veulent vraiment aller au fond des choses, il vaut mieux aller sur le côté construit, voire limité, mais moi limité ça ne me concernera pas parce que je ne paye pas. Je ne mettrai pas d'argent. Le limité, le problème, c'est qu'il faudra payer vos parties, il faudra payer pas mal de choses. On va d'ailleurs aller voir. Donc voilà, en limité, en fait, vous créez pas votre deck. C'est différents événements où vous allez être mis dans des conditions assez particulières. Notamment, vous avez le draft, comme c'est marqué ici. Alors, le draft, c'est quoi? La plupart du temps, vous choisissez pas vos cartes, enfin du moins pas comme vous le feriez dans un deck que vous construisez. Quand vous êtes en partie de draft, vous allez avoir des boosters. Vous savez pas sur quelle carte vous allez tomber et vous devez vous adapter et faire avec les cartes qu'on vous propose constituer votre deck. Donc vous allez quand même constituer un deck, mais qui ne vous appartient pas, que ce ne sont pas vos cartes, ce sont des cartes qu'on va vous distribuer de façon aléatoire, et donc c'est une contrainte supplémentaire. Sachant que la plupart du temps, ce sont des événements, hein, les drafts. Et donc, alors là, attendez, je lis en même temps pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Mais en gros, vous choisissez les cartes au fur et à mesure. Ça peut être une fois vous, une fois les autres. Donc voilà, il y a différents drafts. Hein. Il y a majeur, il y a traditionnel, il y a rapide. C'est assez particulier. Faut aimer hein, automatiquement. C'est pas ce qui m'intéresse le plus, moi, le draft. Pareil pour les paquets scellés. C'est une autre façon de jouer. Mais bon. Là aussi, c'est de la construction de deck avec 6 boosters et chacun choisit ses cartes, quoi. C'est un peu particulier. Donc voilà, ça fait partie des événements. Moi personnellement, le draft, c'est pas trop ma tasse de thé. D'ailleurs, si on regarde ici au niveau des événements, je pense que voilà, regardez, vous voyez tous les événements, ça a à voir avec le draft. Donc ici vous avez le draft majeur, le draft cube chromatique traditionnel et le draft chromatique. Donc comment ça se présente? Voilà, vous avez donc ici voyez les cartes, vous allez les utiliser pour jouer, mais vous ne les garderez pas. C'est voilà. Et pareil, vous avez des victoires à accumuler, vous devez payer pour jouer. C'est-à-dire que soit vous payez avec de l'argent, c'est-à-dire des gemmes, vous transférez de l'argent, vous obtenez des gemmes et vous payez pour jouer. C'est hors de question en ce qui me concerne, c'est pour ça que j'aime pas le limiter. Soit vous payez avec des couronnes, ce qui serait possible, mais le problème c'est que moi pour 4000 pour 4000 couronnes, si vous faites éliminer dès le premier tour et que vous n'arrivez pas à aller en haut, premier tour c'est simplement 3 cartes hein, que vous gagnez. Deuxième tour, 500 pièces d'or et 3 cartes. Moi je suis désolé, mais pour 4000, vous avez 4 boosters et 4 boosters avec dedans 7 cartes. Donc ça vous fait 28 cartes. Et c'est certain. Il n'y a pas d'échec. Là, vous vous faites éliminer dès les premières victoires, vous n'arrivez pas à les passer. Vous avez au pire trois cartes, mais
Mais trois cartes, 4000 pièces, c'est hyper cher, hein. Ça vaut pas le coup. Sincèrement, pour moi, si vous jouez pas avec de l'argent, déjà, vous serez obligé de piller vos ressources. Moi, pour 4000 pièces d'or, je préfère avoir 4 boosters. Et sincèrement, pas tenter ma chance comme ça, à la roulette russe. Sachant que après, au plus haut, vous avez quand même 6000 pièces d'or. Ça fait que vous gagnez vraiment 2000 pièces d'or et 3 cartes. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Risquer 4000 pièces d'or pour gagner 2000 pièces d'or, puisque en gros, les 4000, vous allez les avoir remboursés, mais vous les avez investis à la base, donc c'est pas 6000 pièces d'or que vous gagnez 2000 pièces d'or et vous vous faites rembourser votre mise. Et vous gagnez que 3 cartes. Vous imaginez, 3 cartes. Vous prenez le risque de perdre 28 cartes pour gagner 3 cartes et 2000. Alors, 3 cartes et 2000, ça voudrait dire 2 boosters, ça fait 14, ça fait 17 cartes. Vous prenez le risque de gagner au mieux 17 cartes en renonçant à 28 cartes. Sincèrement, quand on fait le compte, ça vaut pas le coup. Alors, je ne doute pas que les cartes qui sont ici, vu que vous payez pour jouer, c'est des cartes qui doivent être autre chose que des courantes et des habituelles. Des inhabituelles, excusez-moi. Ça doit être plus des rares et des mythiques, mais c'est que trois cartes, quoi. Ça vaut pas le coup. Et en plus, 4 boosters, ça vous fait 4 petits traits dans les roues et ça vous ramène vers des jokers, quoi. Je préfère investir dans les boosters. Je vois pas l'intérêt. Sincèrement, je ne vois pas l'intérêt. Donc là, c'est le draft cube chromatique. Vous avez ici le traditionnel, chromatique traditionnel. Donc c'est toujours pareil, hein, temps limité, 7 joueurs, vous voyez, enfin, dans un temps limité, on choisit donc un les cartes des trois paquets, et c'est pareil, on en revient au même truc, sauf que là ici, il n'y a que 3 victoires à avoir, mais c'est pas si vous avez 0 victoire, vous avez 3 cartes. Si vous gagnez, vous avez 6000 plus 3 cartes, donc on en revient exactement au même calcul. Au mieux, vous allez gagner 17 cartes, là où vous auriez pu en avoir 28. Et en plus avancer dans les roues de Joker. Non. Enfin, sincèrement, c'est de l'arnaque. Et en plus, d'où on paye pour jouer. Et c'est hors de question. Enfin, faut être béné, quoi, pour aller là-dessus. Donc, après, vous avez le troisième qui est ici. Voilà. Et donc, voilà, ouais, draft, voilà, temps limité, 7 joueurs, 1-1. Voilà, et ici c'est pareil, vous voyez, il faut aller jusqu'aux 7 victoires pour avoir le truc. Et on est toujours sur les mêmes valeurs d'échelle, faut payer, voilà. Donc, vous voyez, c'est jusqu'aux 3 matchs perdus. Après, vous avez fini. Donc, si vous perdez vos 3 premiers matchs, vous avez 3 cartes, basta, vous avez perdu 4000 pièces d'or pour 3 cartes. Ça vous fait 1333 pièces d'or pour une carte. Ça fait cher la carte, hein, je vous le dis, hein, pour 1300 pièces d'or, pour moins, vous avez un booster de 7 cartes. Hein. Donc, faut vraiment qu'elle vaille le coup, hein, la carte. Donc, en gros, non. Non, sincèrement, ça vaut pas le coup. Ça, c'est pour les gens qui ont de l'argent à péter. Et du fait qu'ils ont de l'argent à péter, ils encouragent les organisateurs à mettre en place des choses. Alors évidemment, ils vont avancer plus vite, puisque ils vont gagner des cartes comme ça par ce biais-là, ils vont gagner des cartes en achetant, enfin voilà. Donc ils vont monter plus vite que vous. Mais moi, la partie limitée est en début. En plus de parties, autant vous dire, c'est pas la peine. Même si là, c'est pas vos cartes à vous, c'est des cartes qu'on vous prête pour dire de jouer, vous n'avez pas le recul et l'expérience pour dire de comprendre en tout début où vous jouez, quelles sont les cartes les plus intéressantes, quelles sont les cartes aussi qu'il faut essayer de soutirer aux ennemis, et pas laisser aux ennemis pour pas les retrouver contre soi. Enfin voilà, il y a tout cet aspect-là à avoir en compte et qu'on pense pas au début de jeu parce qu'on connaît à peine les mécanismes de jeu. Donc, en début de jeu, je vous déconseille, et même en fin de jeu, hein, moi de toute façon, je vais vous dire, après 2 ans, j'ai essayé.
Je me suis fait avoir, hein, comme tout le monde au début. Et en plus, j'avais la curiosité, je voulais voir ce que ça valait. Et en fait, j'ai très vite compris que c'était une arnaque. Et donc, en gros, aujourd'hui, mes ressources, je les garde essentiellement pour gagner du booster. Et absolument pas pour participer à des événements. Alors, ces événements, vous pouvez les retrouver. Hop, récemment, c'est ce que j'ai joué là. Trouver des matchs en une manche, classement, brawl. Il y a aussi le brawl qui est assez particulier. Alors, brawl, si je me rappelle bien, excusez-moi. En standard, c'est sur les 2 dernières années, les saisons des 2 dernières années, et l'historique, c'est toutes les saisons sauf les cartes illégales. Donc voilà, standard, c'est les 2 dernières années, sauf les cartes illégales aussi. Donc voilà. Et vous utilisez donc votre. Alors attendez, parce que je vais essayer de comprendre là pourquoi il y a un 55. Oula, on va annuler, hein. Je vais pas flinguer mon deck pour rien. Terminé. Mais Brawl, c'est encore une autre façon de jouer. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Jouer. Donc là, c'est le standard. Standard, c'est les 2 dernières années. Hein. C'est les saisons des 2 dernières années. Si vous regardez, tac 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 tac. Donc c'est en boutique. Hop, boutique, boutique, booster. Voilà, celle que vous pouvez jouer en standard. C'est ces saisons-là qui vont jusqu'à Innistrad. Je pense que c'est ça, hein, c'est Innistrad. Ouais, Innistrad, chasse de minuit. Sachant qu'elle va bientôt devenir obsolète, elle va passer en orange, parce que ici vous allez avoir le Seigneur des Anneaux dans 1 heure, 1 heure et demie. Il y a une nouvelle saison qui commence. Et donc, en gros, ça va tout décaler, et Innistrad va passer dans les decks historiques. Et tout ce qui est là en orange, c'est où ça? Alors attendez, on va revenir ici. Oh, c'est marrant qu'il ne le montre pas. Il ne montre pas au-dessus. Si, mais on voit pas pourquoi ça bouge plus. Ah voilà. D'accord, j'ai compris. Et donc, vous voyez, vous avez les anciens. Mais punaise, mais c'est pas vrai, c'est pas maniable du tout. Ouais, je me disais bien qu'il y en avait plus, hein. Et donc, vous voyez, au fur et à mesure, les saisons, elles deviennent obsolètes et elles passent en historique. Donc, tout ça, si vous voulez le jouer, toutes les cartes que vous avez réussi à gagner sur ces saisons-là, si vous voulez pas qu'elles partent à la poubelle et que vous ne pouvez plus jamais les jouer, vous allez jouer en historique. L'intérêt aussi de jouer en historique, je vous l'expliquerai quand on passera sur le troisième. Là, on va rester sur le limité. Donc limité, vous payez et pour jouer et pour gagner des cartes et tout le reste. Donc c'est assez particulier. Je vous le conseille pas, hormis si vous êtes un joueur qui a décidé de payer. Hop, on va retourner. Non, je fais n'importe quoi là. Hop, le codec, on revient là. Donc limité en début de jeu, je vous le déconseille, à moins que vous soyez un joueur qui paye pour avoir des victoires. Ça c'est votre problème. Si vous savez pas quoi faire de votre argent, vous pouvez me le donner aussi, hein. Mais plus sérieusement, le draft, ce sont des événements qui se passent sur un temps, donc ça peut être sur 3 jours. Souvent c'est le mercredi que ça se met en place. Les événements se renouvellent le mercredi.
et assez régulièrement, même le vendredi. Donc, en gros, voilà, le draft, c'est ça, c'est vous avez trois paquets qui vont s'ouvrir et automatiquement, vous devez gérer avec les cartes que vous allez y trouver. C'est pas du tout les boosters que vous cherchez, les cartes que vous cherchez. Là, vous faites avec ce qu'on vous donne et vous payez pour ça. Paquet scellé, c'est à peu près pareil. C'est uni. Ok. Enfin voilà. Ok. Là aussi, c'est pareil, paquet scellé. Vous avez un certain nombre de paquets, hein, 6 boosters, et vous allez devoir constituer votre deck avec. Tiens. Vermine, enchanteur, éduqué. Et c'est comme ça d'ailleurs que vous pouvez gagner des préconstruits. Des fois. Parce que des fois, ouais, vous voyez apparaître dans vos decks des préconstruits. Donc voilà. Mais c'est dans au niveau ici. Alors ça, c'est les decks que vous créez, hein, c'est mes decks. Ensuite, vous avez une section qui est deck starter, et c'est les decks de départ. Et des fois, vous pouvez gagner des decks de départ comme ça, qui vont apparaître, et que vous pouvez utiliser. D'ailleurs, je crois que vous pouvez les gagner quand vous faites le tuto. Mais ça, on va y venir plus bientôt. Je vais vous expliquer comment débuter. Là, pour l'instant, je vous explique les différents decks que vous pouvez utiliser, enfin que vous pouvez mettre en œuvre pour commencer votre début d'évolution dans ce jeu. Donc là, on a parlé du construit que je déconseille parce que c'est des, comme ici, c'est des decks qui ont été faits par l'éditeur et avec des cartes lambda. Donc vous les aurez, hein, quoi qu'il arrive, au début, il y a certains, vous les aurez. Il y en a d'autres, par contre, que vous devrez construire, notamment ceux qui sont, alors ça non, ça c'est à moi. Mais ici, vous voyez, il manque pas mal de cartes, notamment quand on appuie dessus, normalement, voilà. Vous voyez, moi, pour finir ici ce préconstruit-là, monstre reforgé, il faudrait que j'investisse dans 4, 7, 22, 34 cartes, 34 jokers pour dire de pouvoir finir et achever le préconstruit, tout ça pour à la fin avoir un préconstruit lambda. Donc hors de question, là pareil, on est à 7, 27, 27 cartes ici pour le faire, pour le finir, et là on est à 27 cartes aussi pour le finir. Et là, ici, inhabituel. Alors, l'intérêt, si vous voulez voir l'intérêt d'un préconstruit, c'est plus pour les joueurs occasionnels qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec de la confection de deck. Mais regardez l'épisode précédent et vous comprendrez un peu l'intérêt d'un préconstruit. Personnellement, pour nous, il n'y a aucun intérêt. Même pour le début, si vous débutez. Prenez l'habitude de créer vos decks, vous verrez, à force, ça deviendra une gymnastique, vous aurez certains, comment on appelle ça, certains automatismes qui arriveront, vous comprendrez ce que c'est qu'une mana base, vous comprendrez quel est l'intérêt d'avoir des créatures rampantes et des créatures volantes, d'avoir des sorts d'usure et des sorts d'amélioration. Voilà, il y a différents types. À connaître et automatiquement il y a différentes petites règles à se mettre pour dire d'avoir un deck qui soit complet et qui permette d'évoluer assez facilement et au fur et à mesure de faire évoluer votre deck selon les synergies. D'ailleurs, ça vous permet aussi de comprendre la notion de synergie. On y viendra aussi, je vous expliquerai. Donc voilà, là c'était un peu ma présentation pour le limiter. J'ai pas plus à en dire, donc je vais pas continuer. Je vous souhaite une bonne journée, profitez bien de vos proches. Allez, bye bye tout le monde. Salut!